Ça va, Emile? Ça va. Ma bagnole aussi va bien. Ah bon? J'ai roulé tout le week-end dernier, j'ai roulé. Ah bon? Pour aller où? Je suis resté devant chez moi. Ah. J'ai vidé 3 pleines d'essence, moteur à fond au point mort. Et pour quoi faire? Attends, pour les points, chez Total, je suis à 5 points du service à whisky. Et à 3 points de la serviette de Ben Nolwenn le roi. Ou j'ai le choix avec le parfum Claude Belmondo. C'est qui Claude Belmondo? C'est un cousin. Hein? Il y a toute la collection chez Total, Cousin 2 ça s'appelle. Ah bon? Il y a Christian Delon. Ah ouais? Il y a Mohamed Depardieu. Ah ouais, t'es. Et Bernard Nougaro. C'est intéressant. Oui. Ah, ils explosent d'idées chez Total. Mais bien sûr, même ils explosent tout court. AZF, c'est eux. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, je vais prendre le service à whisky parce que pour le parfum, j'ai personne. Et ta femme? Non, elle en met pas. Elle a une odeur naturelle tellement forte. Elle fait tourner les parfums. Prends-le pour ton chien. Bah, le chien, c'est pareil. Il est moins vif qu'avant. Ah bon? Depuis qu'il est mort. Je l'ai bien fait empailler, tu vois, avec des roulettes et tout, tu vois, mais ouais. Il a moins de joie de vivre, tu vois. Ouais. Et autrement, à part ça? Eh ben, hier soir, j'ai regardé le président à la télé. Oh là, et alors, c'était bien ce qu'il a raconté? Ah, je sais pas. Avec ma femme, on coupe le son et on met les Gypsy Kings à fond. Ah. Ça nous rappelle nos vacances en Espagne. Ah, ben oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que Gérard Depardieu soit devenu russe, là? Bah, pas grand-chose, mais en fait, personne ne dit la vraie raison. Ah bon? Tu la connais, toi? Ah, bien sûr. Et en Russie, ils boivent comme des trous. Oui. La limite pour conduire, c'est 6 grammes. Depardieu, en une semaine en Russie, il a récupéré tous ses points. Putain. En fait, on sait plus quoi penser, quoi. Mais exactement. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. De quoi? De boire? Non, de penser. Ah. D'ailleurs, j'ai écrit une phrase sur mon carnet ce matin. Oui, vas-y, 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 vas-y. Moins je pense, plus j'ai le temps pour réfléchir. Ah oui, alors la question, c'est... Y a-t-il une vraie différence entre penser et réfléchir? Moi, je pense. Eh bien, donc moi, j'y réfléchis. Allez, putain, je suis crevé. Ah ben moi aussi, de réfléchir comme ça me fatigue. À la tienne, et au trou la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise.